7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Coucou les petites muses, on est donc à l'école d'architecture avec Jérémy de la chaîne Je suis photographe qui m'accompagne, vous avez vu régulièrement dans mes petites balades. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Audrey et une de ses collègues pour parler. Je crois que je vais m'éloigner un petit peu de la route et puis je vous raconte tout ça, on va rentrer. Donc l'école d'architecture se trouve entre la frontière de la commune de Darnétal et de Rouen en Normandie. Et on a des structures déjà très artistiques quand on arrive. On a un grand parc. C'est l'automne. On a déjà toutes les feuilles qui sont tombées des arbres. Des créations sur voilà. Le Grégory, je crois, avec qui on communique, parce qu'il y a des artistes comme ça qui aiment communiquer et ça leur fait pas peur. Et après, il y a des artistes qui restent un peu dans leur coin. Ouais. Et lui, c'est vrai qu'il communique beaucoup et il est hyper sympa. Ah oui, il est hyper sympa, hyper jeune, ouais. Hyper motivé. Ouais. En plus, il était venu, il a bien voulu faire des photos comme ça. Parce que vous savez, avant les événements, on fait. Grimper tout là-haut. Alors, ce qu'on vous propose comme événement à la Red Factory, c'est de participer à l'Art Meeting. Du coup, pour ce thème-ci, ce sera une exposition qui s'appelle E-Live. L'idée, c'est de montrer les artistes dans leur direct, dans leur mouvement. C'est d'arriver dans l'école et qu'on soit intéressé par quelles pratiques vous faites de votre art, quelles pratiques avez-vous. On est dans l'atelier et pas dans l'exposition. Voilà, c'est ça. C'est le principe de la communication, du partage. Et donc, pareil, sur le principe de l'Art Meeting, c'est les étudiants, on vient vous voir. Du coup, on parle de vous dans Rouen, on vous partage sur les réseaux sociaux. Si maintenant, avant, il était ouvert que aux étudiants et maintenant, c'est ouvert vraiment à toute la ville. J'avais fait du coup comme étude J'étais assistante de gestion. Donc, rien à voir en fait. Rien à voir. Et en fait, du coup, vous avez. Enfin, d'où vous vient cette passion pour. Toujours dessiner, toujours créer des choses un peu bizarres, farfelues. et puis un jour, on m'a demandé combien je vendais justement mes créations. Et pas forcément à la première, mais au bout d'une dizaine, j'étais en train de me dire, mais mince, c'est vrai qu'artiste, c'est un métier. C'est ça que vous étirez et vous peignez, mais par contre, il vous faut un orchestre derrière. Voilà. 2012-13 à peu près. Et je faisais annuellement une visite d'atelier, mais où j'exposais également et je faisais du live. Donc je prenais pareil des grandes toiles et je peignais en direct pendant que les gens se baladaient. Les gens pourraient seraient là et je bougerais autour de cette structure-là. Et carré, ce serait pareil. Après, carré, je trouve ça moins visuel. Oui. Parce que du coup, on a les arêtes halables dans son salon pour se faire tatouer en live pendant le jour J, en fait. Ok. Mais du coup, il s'appelle Alex, peut-être que vous connaissez. Ikenart. Il sera là, du coup, avec vous. N. Voir pour communiquer en disant si vous voulez porter un short, une jupe ou quoi que ce soit, ouais. Plus il y a de peau, mieux ce sera, autant pour le tatouage peut-être que pour. Okay. On peut on commencer par l'équipe. Slogan, plus il y a de peau, mieux ce sera. Venez avec votre peau. Ok. C'est parfait ça. Et ça serait trop bien. Donc je me cherche un modèle et puis. En quel point on pourrait peut-être les rassembler, peut-être pas. Et ce sera une petite interview discussion. Moi qui veux passer dedans. D'accord.
c'est pas magnifique ça? Ouais, c'est chouette hein. Par exemple, on est dans une gare, on peut marcher dans des tunnels et tout, qui nous amène jusqu'au Lurchy. On peut avoir un kilomètre de tunnel. Mm-hmm. Et du coup, voilà. L'ancienne chaufferie. Non, c'est ce qu'il voulait faire. En fait, il en faut tout le temps pour préparer le spectacle. Mm-hmm. Et on leur a accordé qu'un mois ou deux. Si, ouais, ça sera des shootings avec des modèles, avec Julie Roy. Photos, par exemple, dans les escaliers, vous pourrez demander au directeur. Je pense à la directrice. Directement sur YouTube, sinon. Ouais, fais attention à ta tête. Et voilà. Et donc, on va faire un petit pas. On est dans la salle en fait où les étudiants voilà, le premier entretien avec les élèves de l'école d'architecture. On a prévu en fait soit du body painting, soit création de tableaux, avec un orchestre. Vous verrez ça au mois de décembre. Il y a un petit peu de bruit. Les étudiants sont en train de manger juste au-dessus. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt. Bisous.